Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une recette que j'aime beaucoup. Ce sont les brioches de Pâques. Donc, au lieu de les acheter, je les fais maison. Donc, pour cela, j'aurai besoin de 500 g de farine, 100 g de sucre, 50 g de beurre fondu, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de gingembre et un quart de cuillère à café de muscade moulue et 10 g de levure boulangère, 250 ml de lait tiède ou bien une tasse de lait tiède, 2 œufs pour la pâte et un œuf que je vais garder, le jaune d'œuf pour la dorure, 100 g de raisin sec. Le zeste d'un demi-citron plus le zeste d'une demi-orange et enfin une petite cuillère à café de sel. Tout d'abord, dans un bol, je mets le lait tiède, j'ajoute la levure boulangère, puis je prends à peu près une petite cuillère à café de sucre et je mets par-dessus pour activer la levure. Maintenant, en ce qui concerne la préparation de la pâte, j'ai pris le robot culinaire. On peut parfaitement faire le travail avec les mains. Donc, on met la farine, les épices, la levure boulangère après fermentation avec le lait bien sûr, les œufs, le beurre fondu et enfin le sel. Après 5 minutes, la pâte est bien travaillée, on ajoute les raisins secs et on mélange un autre 5 minutes. Sur un plan bien fariné, on étale bien la pâte, puis on la plie en portefeuille. Je mets à peu près une cuillère à soupe d'huile végétale au fond du bol. On plastifie et on laisse reposer à peu près une heure, le temps que ça double de volume. Maintenant, on passe à la préparation du glaçage. Donc, il me faut 200 g de sucre glace, à peu près une cuillère à soupe de lait froid et un blanc d'œuf. Donc, à l'aide d'un batteur, on fouette le blanc d'œuf avec le sucre glace. Je rajouterai le lait au fur et à mesure. Je mettrai le glaçage dans une pochette à douille ou bien tout simplement dans un sac Ziploc. On va seulement couper un petit bout à l'extrémité. Après que la pâte est bien levée, je forme un boudin, puis je le divise en deux,
ensuite en 4 et il faut à la fin qu'on obtienne 16 petits morceaux. Ensuite, on forme des petites boules, on les dépose dans des plaques allant au four avec papier sulfurisé et après qu'ils aient doublé de volume, on met dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une trentaine de minutes. À la fin, on obtient de belles brioches brillantes, très parfumées, qu'on va décorer avec le sucre glace. Voilà, j'espère que cette recette de brioche anglaise, les Hot Cross Buns, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker et surtout ne pas oublier de s'abonner si ce n'est pas encore le cas. Quant à moi, je vous dis bonne cuisine et à bientôt!